Je suis content d'intervenir ici parce que on voit habituellement sur vos sites et on a eu à cœur avec Nicolas et puis avec Olivier de se dire que c'était intéressant que pour une fois soit nous qui nous déplacions chez Terrain et puis on continue à essayer de vous apporter toujours un peu plus de savoir et un peu plus de savoir-faire. Donc le déroulement de cette formation va se faire en deux jours. Donc, une première demi-journée où on verra l'ossature de la formation. Et sur cette deuxième journée, on rentrera un peu plus dans le concret de cette formation. Dans le concret, parce que vous verrez, on essaiera d'alterner avec quelques petits exercices et on se rendra sur le magasin, soit de rue du Maroc qui est juste à côté, soit si on n'a pas pris de retard et qu'on a un peu de temps, on ira plutôt visiter le magasin de rue Lomière qui est un petit peu plus grand et qui est un peu plus facile à lire. Cette formation, ça s'appelle le client au cœur du commerce. Alors on aura le temps évidemment de détailler tout ça, mais l'objectif c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, vous soyez capable, vous, dans la gestion de vos surfaces de vente, des linéaires, des mises en avant, vous soyez capable à un moment donné de vous mettre en position client, et donc de réfléchir comme un client. Et en vous mettant dans cette posture-là, vous allez faire des choix qui seront peut-être un peu plus lisibles pour vos vrais clients. Donc le résumé, c'est un peu ça, d'accord? Avant de démarrer cette réunion, je vais laisser Nicolas introduire un peu et puis remettre un peu cette formation dans son contexte. Et avant de démarrer, on fera un tour de table où je vous demanderai de vous présenter, de me dire les magasins sur lesquels vous êtes, parce qu'il y en a qui sont sur Paris et d'autres c'est pas le cas. Et de me dire un peu quelles sont vous, vos attentes par rapport à cette formation. D'accord? Est-ce que c'est clair déjà? Oui. C'est bon? Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Pour rappel, je travaille avec Stéphane et les différents directeurs régionaux au siège, au service RH, sur votre suivi, votre accompagnement, vos intégrations au magasin, et puis toute l'année et ce qui se passera à la fin de cette année. Pour vous rappeler un peu le contexte, juste à titre d'information sur Paris, sur toute l'Île-de-France, peut-être que vous le savez, hein, mais on a plus de près de 180 magasins sur les 7 secteurs géographiques, couverts chacun par un directeur régional. Vous formez aujourd'hui une classe, ce qui est non négligeable aussi, une classe vraiment à loger sur Chaux-Flandre, avec des magasins en centre-ville, des magasins de périphérie. L'objectif pour nous, c'est de vous donner une vision encore plus professionnelle de ce qu'on attend pour un magasin, vous donner encore plus d'outils que ce qui a été fait auparavant, que vous soyez vraiment en pleine maîtrise du poste d'employé libre-service à la fin de l'année de formation. Vous êtes aujourd'hui une classe de 14 personnes, et c'est important pour nous de vous accompagner, de vous suivre, de mettre en place des outils. On l'a fait, on l'a développé encore cette année, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. On veut que vos responsables de magasin, vos tuteurs, vous suivent en magasin par le biais d'entretiens qui ont été figés à des dates précises, par le biais d'une grille de suivi. Donc sur laquelle nous, ce qu'on veut voir, c'est une vraie progression de votre apprentissage en magasin, autant qu'en cours. Et le but, c'est vraiment de vous donner une vision client. Quand vous êtes en magasin, il faut vous permettre d'être vraiment le plus performant possible dans vos implantations, dans le traitement des livraisons, dans toute l'organisation du point de vente. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout se passe bien en magasin? Ça va? Ouais. Bonne formation. Merci. Merci. On commence par le tour de table. Mélie, on attaque par vous.